Asake? Asake, en fait, Asake Airastar. Mm-hmm. Alors, Asake Airastar, c'est vraiment la note que je n'ai pas du tout acceptée. Mm-hmm. Alors, Asake Airastar, je les paye. Tous les artistes ont été payés. Mm-hmm. Avant que je les annonce, tous ont reçu 50% et avant qu'ils ne montent sur ma scène, tous ont été payés à 100%. Mm-hmm. Et Asake, lorsque je signe Asake en décembre, le 26, on signe le contrat. Le 27, il est payé de moitié. Mm-hmm. Je peux le dire ici, ça ne me dérange pas. Mm-hmm. 175 000 euros. Il est payé. Ça, c'est la moitié. Ça, c'est le 50%. Okay. 175 000 euros. 350 000 voilà, euros pour la totalité. Pour son cachet. Mm-hmm. Et pour Airastar, c'était 65 000 euros, soit 130 000 euros pour. Alors, quand je signe ça, on me dit Asake pour le déplacer, c'est en Formule 1. Formule 1, ça veut dire jet. Mm-hmm. Le jet devait quitter à Lagos. Mm-hmm. J'ai dit, il n'y a aucun souci. Mm-hmm. Donc, je n'annonce pas d'abord Asake pour ne pas que les gens sélectionnent d'aller sur le concert d'Asake pour abandonner les autres. Mm-hmm. Donc, le 29 janvier, je touche l'annonceur et je lui dis, écoute, envoie-moi le drop de Asake, c'est-à-dire la vidéo où Asake annonce qu'il arrive. Confirme qu'il sera là. C'est tout. Et bien avant le 29, le 11, déjà janvier, ils étaient passés me voir. Mm-hmm. Et j'ai payé et les 50% de son jet qui coûtait 60 000 euros, j'avais déjà payé 30 000 euros. Mm-hmm. Donc, moi, j'étais good, j'étais mm-hmm. bon. Le 29, on me dit non, Asake, finalement, il est à Los Angeles pour le Grammy Award. C'est cela. Donc, il veut que le jet aille le chercher. C'est l'information qu'il me donne. Je dis, OK, attendez que je communique avec quand même mes sponsors. Mm-hmm. Deux, trois minutes, quand je parle à les sponsors, le sponsor officiel, je ne vais pas les citer ici, mais mm-hmm. je connais. Il me dit, écoute, Karim, on est déjà engagé. On ne va pas décevoir les Ivoiriens. Mm-hmm. On y va. Le jet, il y a une augmentation de 30 000 euros. On y va, tu as le go. J'appelle, je dis, c'est bon, on va. On me rappelle le 31 janvier pour me dire finalement, Asake, il veut que le. Il pourra se défendre après, mais c'est ce que l'agence m'a dit. Mm-hmm. Le 31 janvier, Asake, il a besoin du jet qui le prend de Los Angeles, donc 13 heures de vol, qu'il envoie à Lagos, de Lagos qu'il envoie à Abidjan, mm-hmm. d'Abidjan qu'il ramène à Lagos, et de Lagos qu'il envoie à je ne sais plus où. J'ai dit, mm-hmm. écoutez, ça suffit. Sure. J'ai été suffisamment patient avec vous. Mm-hmm. J'ai juste demandé le drop. J'ai été correct, mais je ne peux pas payer un jet en taxi pour quelqu'un. C'est mm-hmm. impossible. Dites à Asake, on annule. Mm-hmm. Voilà comment j'annule Asake. Mm-hmm. Avec Aira, il n'était pas question qu'elle soit en jet. Elle mm-hmm. devait être un vol commercial. Mm-hmm. Elle est venue pour un événement avant moi qui était Marvel Africa. C'est cela. Elle est venue en jet vol commercial. Mm-hmm. Elle devait venir en vol commercial, c'est bien écrit. Mm-hmm. Et après, elle aussi, après avoir été nominée au Grammy Award, mm-hmm. on m'a dit que finalement, Aira avait aussi un jet depuis Lagos. Mm-hmm. J'ai dit, bon, écoutez, c'est simple. J'ai annulé Asake. J'ai l'avance d'un jet, il mm-hmm. n'y a pas de souci. Mettez le jet à sa disposition, mais le jet la prend à partir de Lagos, mm-hmm. mais pas de Los Angeles. Et je reçois un WhatsApp dans le groupe qu'on avait créé qui dit « Jet from LA or no way ». Los Angeles. Voilà. Ouais. Jet Donc je pars de Los Angeles ou pas question. Ouais. Donc moi, j'ai répondu dans le groupe « I choose no way ». Donc moi, je ne choisis pas question. Okay. Donc ça veut dire okay. vous n'allez ouais. pas me faire chanter. Absolument. Donc, du coup, c'est comme ouais. ça qu'on a arrêté la question de… Mais alors, les 50% qui ont été avancés sont passés en perte et profit ou… Non. Le contrat est très clair. Ouais. Là, je pense que c'est clair. Ils sont en train de rembourser parce D'accord. que je suis avec des partenaires sur l'affaire. Il faut bien que tout soit clean. Absolument. Et c'est bon. Et ce n'est que lorsque le Nigeria s'est qualifié pour la finale… La Côte d'Ivoire était en la première mi-temps de la Côte d'Ivoire. Déjà, c'était un peu chaud sur nous. Mm-hmm. Et je reçois un coup de fil qui me dit « Ouais, finalement, Airastar veut venir à la finale. Mm-hmm. » Bon, du coup, moi, je dis « OK. Mm-hmm. » 5 minutes après, je reçois un appel qui me dit « Aira veut savoir si elle joue avant le match mm-hmm. ou après le match. » Je dis « Ah, finalement, vous voulez un jet ouais. pour venir suivre la finale. Mm-hmm. Dans ce cas, je ne veux plus de votre concert. Laissez tomber. Je D'accord. ferai une ambiance à l'Ivoirienne. » Il a profité, en fait, de la situation. Très bien. Voilà qui est assez clair, justement.